Coucou, ici Mimi 59. C'est pour vous montrer en pratique ce que je vais faire car c'est la pleine lune aujourd'hui. En vidéo précédente, ce que je vous ai expliqué, comment être une sirène avec la goutte de sang et l'incantation. Donc voilà, je vais vous montrer ce qui est déjà passé. La minuterie est déjà passée, donc voilà. Pardon. Voilà, il y a ça de fait déjà. Déjà, il est rose. Donc, il y avait l'eau, le sel et le sang. Donc, et dans le creux du coquillage. Donc, ben pour moi, il est rose, mais après, ça dépend si vous le trouvez rouge ou rose. À vous de juger, laissez un commentaire et puis après, à vous de trancher. J'ai allumé la bougie tout à l'heure. J'ai laissé 30 minutes. J'ai allumé la bougie. J'ai dit l'incantation 10 fois. Et laisser agir la mixture avec le coquillage et le sang à l'intérieur 30 minutes. Donc les 30 minutes sont passées. Je vais boire. Voilà. Vous avez bien entendu. Je vais boire. Et à la douche. Vaporiser mes jambes. Reformuler. Canis lupus, je suis une sirène. Canis rufus, je suis une sirène. Et au lit. Et c'est comme ça qu'on devient sirène. Ça, c'est un brushing. C'est pas des cheveux sirène. Donc voilà. Donc, comment on va faire pour récupérer? Normalement, on boit avec le. Regardez. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider de quelle couleur est le coquillage. Je tremble un peu. C'est normal. Voilà. Donc, c'est à vous de décider quelle couleur est le coquillage. Si je pourrais le prendre, je pourrais le prendre. Mais je ne peux pas le prendre. Ah si. Ah non, j'ai pas été coupée. Donc, ça va. De cette main-là, ça va. Regardez. Oups. Heureusement que c'est pas sur le pentagramme. Moi, je dirais plutôt rose. Il est rose. Regardez. On va regarder de l'autre côté. Il est devenu un peu rose. Regardez. Un peu rose. Donc, je le remets à l'intérieur. Vous demandez pourquoi. Pourquoi? Donc, on va bien mélanger. J'ai mis trop de sel. Et j'ai pas le choix. Donc. C'est pour ça que vous devez faire attention. C'est pour ça que vous devez faire attention au sel. Pas trop de sel, parce que ça peut engendrer des. Pour votre santé, en fait. Voilà. Et pour que ça se passe bien avec le rituel. C'est pour ça aussi.
Mais comme j'ai mis trop de sel, j'ai pas le choix. Et laisser le coquillage dedans, vous allez dire pourquoi? Ben, pour que ça fasse plus effet. Je sais pas si vous pouvez regarder. Donc voilà. Bon ben. C'est mieux ça. Ma bouche, elle est salée. Oh. Je me demande pourquoi les sirènes, ils endurent le sel. Donc, on va reformuler tout ça. J'ai le goût dans la bouche. Ah. Et on se revoit après. On se revoit après. Me revoilà. Tout d'abord, ben je suis en. Je suis plus en pantalon. Je suis en jambes. Voilà.
Et puis, n'hésitez pas de faire des essais comme ça. Surtout, n'essuyez pas vos jambes. N'essuyez pas vos jambes. Vous pouvez mettre un maillot de bain, mettre le haut. Si vous avez pas de maillot de bain à deux pièces, mettez votre boxeur du bas. Mais c'est tout. Après, c'est tout. Vous laissez sécher. Ça va faire comme des écailles. J'ai eu ça. Ça va faire comme des écailles. Je sais pas si vous allez aller voir après. Non, pas pour l'instant. Non, mes jambes, ils ont froid. Donc voilà. Donc ça va faire comme des écailles. Mais essayez pas vos jambes ni vos pieds. Mais laissez votre tanga. Voilà quoi. Ben, c'est tout. J'ai fini le rituel. Le couteau, je le garde au cas où que s'il y a un rituel. Le briquet aussi, la bougie. N'hésitez pas à me mettre des rituels selon que vous voulez. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me donniez des tuyaux, entre guillemets, des idées. Ça me ferait chaud au cœur. Et puis, après, ben, c'est selon vos volontés. Et puis, voilà quoi. Ben, moi, tout espoir que je réussis. Si je réussis, ben, ça vous motiverait. Déjà. Et puis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. C'était Mimi 59, à vous les studios.